La musique est prête, les supporters sont en place, les deux équipes entrent sur la pelouse, on y est. La finale du UEFA Champions League va commencer. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Avec la finale de la Libertadores, la finale de la Coupe du Monde, la finale de la UEFA Champions League, c'est une ambiance vraiment très particulière. C'est un mélange d'une grande ferveur, des couleurs fantastiques, des supporters de deux équipes qui chantent depuis plusieurs jours, mais aussi une grande tension, une grande appréhension avant le début du match. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Achraf Hakimi avec Nuno Mendes dans les couloirs. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Dans le but, on retrouve Alex Meret. Piotr Zielinski sera associé à Lobotka au milieu. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Et Messi en bonne position. But pour Paris, le Paris Saint-Germain lance sa finale et prend les devants. Regardez, le but il arrive juste après une grosse séquence de pression sur la relance. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Stanislav Lobotka. Giovanni Simeone. Oui, bonne intervention. Ouais, la passe en profondeur de Neymar. Avec Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Le but. Et déjà deux buts d'avance dans cette finale. Le secret de son bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Piotr Zielinski. Le ballon pour Anguissa. Le ballon pour Zielinski. Et l'opportunité pour revenir à une longueur. Ah, le bon réflexe là. Et ça joue dans un petit périmètre. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Et au final, aucun danger pour la défense. Mario Rui. Bonne intervention, la passe est interceptée. Oh, le geste technique pour surprendre l'adversaire. Oh, le ballon lobé. Ouais, c'est bien joué, quelle claquette. Et voilà, ça sort, corner pour Paris. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Sortie en touche. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Nuno Mendes. Ballon transmis à Neymar. Allez, le PSG qui tente de porter le danger. Oh, la tentative lointaine. Et ça finit sans trop de difficultés pour le gardien. Di Lorenzo. Excellente circulation du ballon pour créer une brèche dans la défense. Et oui, un peu de magie dans ce match. Et le bon coup d'œil sur ce ballon bien placé, dommage.
Piotr Zielinski. L'attaque se poursuit, elle se développe. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Giovanni Simeone. Très bonne défense. Et ce ballon est repris. Oui, attention à ce ballon-là. Excellente prise de balle. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ballon pour Politano. Un ballon intercepté, bonne intervention. Mario Rui. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Et oui, c'est le but. Comme quoi, voilà, pas de panique. Il y a encore du temps pour recoller au score. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Le petit ballon piqué. Oh oui, le merveilleux coup de patte. C'est vraiment du grand art. On voit son ballon en profondeur qui s'envole par-dessus les défenseurs. Et ce geste de grande classe est pour finir. Petite pichinette, tout en tendresse au-dessus du gardien. Il y a de l'amour dans son but. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Verratti. Et ça arrive sur Mbappé. Marco Verratti, le ballon pour Fabian Ruiz. Ouais, bonne agressivité à la récupération. Très bonne couverture de balle. Anguissa. Politano. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Et l'opportunité pour revenir à une longueur. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Et un changement donc. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Et il se défait là de l'adversaire direct. Voilà, ce centre avec pas mal d'applications. Ah, la récupération haute, bon pressing. Oh, c'est contré par Marquinhos, mais attention! Bonne intervention pour éloigner le danger. Ça joue, dit l'arbitre, avantage pour le PSG. Non, ça ne profite pas. L'arbitre revient à la faute. Et là, ça ne passe pas. C'est récupéré par l'adversaire. Allez, cette passe, elle est bien vue. Elle s'est bien donnée dans la course.
Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir toute la défense. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Ça fait trembler le filet, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la tombée du ballon, c'est le petit piqué qui a été choisi pour tromper le gardien. C'est magnifique. Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Bien vu la passe. Politano. Et le poteau renvoie la balle, c'est pas fini. L'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Marco Verratti. Hakimi hérite du ballon. Verratti. Léo Messi. Et ça joue avec Neymar. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action n'en donnera rien. Et le changement est demandé et il a lieu. Et ça joue avec Messi. Ouais, ballon récupéré, c'est bien défendu. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Ah, il est mal tiré ce coup franc, en plein dans le mur. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Lobotka. Transmission pour Zielinski. Mario Rui. Et voilà, c'est fait. L'arbitre vient de siffler. Il remporte ce tournoi. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne. Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début du match, n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper. Ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes de joie parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des joies, des peines même. Des célébrations comme ça, avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Voilà cette photo que tout le monde attendait. La Champions au premier plan, le PSG au...